Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de qui côté et à qui les vous attendez nous. Bagayou vraiment compliqué, nous avons parlé à pour et Donald Trump. Côté Donald Trump, dans le moment, monsieur, pas de l'autre choix qui accepte qu'il perde l'élection, hein, ou du moins prend route la justice pour voir eh bien, est-ce qu'il est capable de sauver Paul dans l'élection. Ça, côté Joe Biden lui-même, il lui continue à valer terrain sous Donald Trump et sous tout côté, eh bien, non. Plusieurs côté dans le pays les États-Unis côté Donald Trump lui-même il était en mené et bien on a parlé là et Joe Biden qui est a dominé et bien bagayo vraiment compliqué pour Donald Trump et Donald Trump nous connaît son nèg qui pas accepter qu'il perdit et comme ça mais ça qui important c'est Joe Biden jusqu'à présent lui-même qui a dominé et Joe Biden pas manqué en pile pour gagner élection. Pour plus de détails, nous pourrons entrer dans l'information. Mais pas oublier, TV La Caille, chaîne Grands Événements, nous tournons pour la plus belle et marché d'Io ça, TV La Caille, les tournons pour nous capables de porter toutes nouvelles qui ont dominé l'actualité. En suivant l'information sous élection aux États-Unis. Arizona et Bailey comme acquis et à la cause de Biden. Et de Biden. Donc 260. Bon, Valérie, on nous dit que tu as 253 contre 14. On nous est que. Contre 214 alors. Oui, 214, exactement. Tandis. Pour question Michigan, non, avec 16 et grands électeurs, Wisconsin, 16 grands électeurs, parce que pas oublié, hier matin, il était 238. 238 là, on nous dit Arizona, tu es là-dedans, qui te mettait là 238. Nous retirer 11. À Arizona qui est encore discutable. Il était 227. L'ordre 227 plus 10 par Wisconsin, non, il est 237. 237 plus 16 par Michigan, pour 253. Là, pas gagné comme discussion, sauf que nous connaissons et Donald Trump lui-même, non, il criait au scandale et dit qu'il y a faute. Mais m'oublie, Valérie, qui t'aime fond, ou vont y parenter? M'oublie que même Donald Trump, ça, c'est lui-même qui estime toute son nationalité Barack Obama, oui. Elle te répand rumeur que machine vote yo t'a supprimé vote en faveur républicain Mitt Romney, oui. Il toujours dit bagay ça, mais pas jambe bay point. Oui, mais ça me le dit. Entre sa site là et li bay et ça qui est affiché, non, on a parlé là dans CNN, les différents. Sur CNN actuellement, il est affiché 253. Pas de problème. Et ça fait que en nous considérer 253 contre 214 là. Valérie, ou contre mathématiques, même j'ai tout le monde qui attendait là. En nous dit, par exemple, là, gagner 5 states seulement que des comptes bulletins pour qu'on finisse. Georgia qui gagne 16, North Carolina qui gagne 15, Alaska qui gagne 3, Pennsylvania qui gagne 20, Nevada qui gagne 6. C'est 17. Pendant 11 ans, licencié à baloter là pour qu'on puisse est lié, nous considérer 250 droits. Dans 17 là, la Valérie, on dit Georgia mêlé avec Alaska. Bien que, bon, Alaska n'a pas tellement compté sur lui, parce que Alaska lui maintenant, son state qui, nous croyons que, et qui, bah, qu'on est, non? Est-ce que. Alaska, son state qui est plus rouge, ok? Donc, je dis là, on nous dit n'importe si Georgia. N'importe si et Pennsylvania, bien que pas de trop sens pour démocrate ta remporté ce qui yo, mais je dis là, si yo ta vin et bay 11 Arizona pour Joe Biden, gens que le qui t'en mentionné sur site là, bien qu'on dit entre ça qui est affiché sur site là, à ça qui est affiché sur écran CNN, bon écart de 11, pas de problème. Ouais. Mais en nous, c'est d'avis. Fox, c'est même mettez 264, mais ça me trouve bizarre, c'est que Fox qui quand même est favorable aux républicains, et il mette 264, il a même affiché 264. Eh bien, bon, Valérie, seul notre discours dans ce sens-là, c'est eh bien écran CNN seulement. Après ça, après interview, on l'a envoyé tout donné au baou, tout côté Valérie, et nous avons dernier développement, là, 11 ans. Moi-même, je suis considéré sur le site CNN, 11 Arizona li attribué à Joe Biden. Donc, je dis à la n'importe qui Nevada là,
mettez Joe Biden à 270 sans plus matiner. Donc, ouais. On nous dit t'arrêter à 253 contre 214 là, mais Valérie, grand pile bataille pour donner la job, t'as gagné, oui, avant pour t'as même rivalisé avec Joe Biden et pour t'as devancé, pour t'as arrivé à atteindre la barre des 270 grands électeurs et nécessaires pour capable de mettre la Maison Blanche et en 2021. Mm-hmm. Est-ce que, en toute logique, Pennsylvania, pas sous besoin d'État, est favorable à Trump? Et, moi, je vais mais pour quelle raison l'État capable et favorable avec Trump? Pas oublier que, en matière de stratégie électorale, bon, ça fait la caille, nous tout. Ça veut dire que son jeu tout ces vices ça veut dire que le candidat, la veille, n'importe si erreur que l'adversaire l'a fait pour capable de capitaliser sur lui. On nous garde par exemple la histoire Pennsylvania dans la question électorale américaine. Pennsylvania et Valérie, il faut que nous disions que son state nous capable de dire qu'il n'y a pas un territoire qui est toujours conquis à l'avance par quel que soit parti. Mais nous avons dit ça bien. Ce n'est pas un territoire qui est toujours conquis à l'avance. OK? Son territoire m capable di et n'importe parti capable mettre le bon côté yo à travers candidat et c'est une raison qui fait que en Pennsylvania les voté déjà dans histoire li à 12 reprises et pour un candidat républicain et à 13 reprises pour démocrate qu'on y a pas connait est-ce que li pral 13-13, côté que je dis la démocrate pral gagne Pennsylvania pour mettre le 13-13, ou bien, et non, est-ce que républicain pral gagne pour mettre le 13-13, ou bien démocrate pral gagne pour tafel 14-12. Mais seul bagaille, nous connaissons, c'est comme ça. Mettez-moi un bagaille, Valérie. Rien que passé. Parlez que l'État pennsylvanien, son État qui producteur d'énergie, et Donald Trump lui-même lui fait campagne sur le sujet énergie. Alors que nous connaissons la position de Joe Biden sur la question énergie au niveau de Pennsylvania, qui sont fracking là, lui montrait que l'élection de Joe Biden, c'est une menace liée pour l'économie pennsylvanienne. Lorsque nous connaissons la position de Joe Biden, il a taclé Joe Biden sans ça, la question énergie au niveau de l'État de Pennsylvanie. Eh bien, je vous dis là, et il y a un pile et tendance pour que Pennsylvanie l'État allait bon côté républicain. Mais jusqu'à présent, il n'est que là. Et même genre, par exemple, là, où un bon candidat qui a mené campagne, et puis là, aller dans le plateau central, là, quand même, il connaît que élevage, agriculture, c'est secteur clé, économie paysan. OK? Quand il y a là, bon candidat qui a fait campagne, contre l'agriculture, contre l'élevage, qui c'est un élément dans l'agriculture là. Quand il y a un candidat lui maintenant qui est assez intelligent, qui a le montré, contrairement à l'adversaire là, qui vient faire des menaces contre l'agriculture au niveau du département, qui c'est principal ressource nous, lui même lui vient montrer, avec lui même au pouvoir, nous avons une agriculture qui est vraiment florissante et par voie de conséquence, nous avons une économie qui est florissante. Donc, dans ce sens, ça, je pense, d'après son sondage, Valérie, Pennsylvania, les plus penchés, bon côté républicain dans l'élection, ça, que le tabou côté démocrate. OK. Et le cas peut-être valable tout pour Georgia et peut-être North Carolina, et comme État rouge? Oui, le cas valable tout, même Valérie, d'après le sondage qui était fait, d'après l'observation, ça veut dire que, une fois que Joe Biden arrive côté lié là, mais quatre figures qui sont capables de suffire pour valider une victoire à Joe Biden. Victoire en Pennsylvania et en Georgia, j'en sois dit là. Victoire en Pennsylvania et au Michigan. Et comme de fait, il y a une victoire dans Michigan. Victoire en Pennsylvania et au Nevada. Nevada n'attendait toujours. Victoire Michigan avec Georgia. Victoire Michigan avec Nevada. Mais Valérie, non, toi et ta sa yo, yo fait, yo sot fait état de yo là. C'est seulement Nevada, oui. Joe Biden a besoin seulement pour le mettre bon côté. En plus, même côté,
li rive à 270 là. Et puis tout bagay fini. Donc peut-être que peut-être que CNN et moi quoi c'est qu'on ça en pile mon Noël. CNN vient plus prudent parce que qu'on était prêt non courir en 2016 dans affaire Clinton avec avec Trump et dans courir 10 qui est-ce qui gagne etc. Donc comme était qui était affiché c'était Hillary Clinton et puis par la suite c'est après le Trump etc. Donc on comprend prudence là et moi même dans les médias tout et enfin dans la situation ça d'après c'est vraiment prudent d'attendre que résultat fin by net véritablement là que gagne bien que sacrété pour compter yo pas grand rien qu'a fait que trompé renverser le nom par rapport à chiffre tire ce qui était pour compter non OK regardez Valérie moi j'ai un bagage on nous dit côté trompé là il figé depuis il figé dans position 214 là tu as besoin 56 mettez sous 214 là pour atteindre la barre de 270 là maintenant de Valérie. Je dis là, en nous dit l'État prend Pennsylvania 20, l'État prend Georgia 16, l'État prend North Carolina 15, fait 51. Mais faut qu'il prend Alaska normalement pour faire 54 là, oui. S'il pas prend tous les 4 ça, il mette bon côté, il chirait. Ouais, alors ouais. Que Joe Biden seulement besoin de Nevada. Onti Nevada. Mm-hmm. Seulement le besoin pour lui dire bon mes amis match fini. Donc je dis à la femme bon match Valérie et les bêtes là pour le mourir contre Jimmy Chan. Donc nous qu'à comprendre Donald Trump. Oui mais comme est-ce que pas Guy Singh doit dire où qu'on va parler dans le deuxième tour. Est-ce que tu es indique. Yeah. Alors on me dit que et évidemment je dis tout à l'heure que et conseil de vote qui beaucoup fin comptabilisé mais il se trouve que zone côté beaucoup fin comptabilisé c'est des zones qui très favorables à Joe Biden ouais et Philadelphia etc. ouais donc qu'on y a on dit que qu'on y a eu bas résultat qui ça peut passer avec Trump qui a contesté à bon et monsieur qui a toujours contesté et nous croyons que un système n'a pas les moyens pour contestation mais ce que nous connaissons Valérie contester ou pas c'est volonté peuple américain qui était exprimé à travers les unes qui a respecté OK l'aime dit que la respecte dans un sens ou non l'autre selon que M. Levin est avec des preuves vraiment palpables, des preuves tangibles de fraude, donc tant nous sommes capables de renverser, capables de gagner reconsidération dans le sens fraude qui a été fait là. Mais c'est que l'accusation n'est pas soutenue par aucune preuve, donc volonté du peuple américain telle que l'a été exprimée à travers une yo, c'est les gars respecter autant de gain préparation qu'a fait, les gars fou bizarre pour créer des ordres, hein, créer et tout tout ça après élection. Mais tout ça c'est pour 2-3 jours, mais à la fin de la journée, eh bien démocratie américaine non, nous capable dire aussi fragile qu'elle puisse paraître, eh bien c'est lui même qui a triomphé. Papier Jean Zoulan, eh bien durant même pas dans la primaire républicaine 2016, Donald Trump a accusé adversaire Ted Cruz que t'es triché après victoire dans l'État Iowa. Son ex habitude dit ça, c'est seulement accusé, mais sans ta jam, fourni preuve, non? Son ex qui dit Barack Obama pas américain, hein? Son ex pas grand, il pas dit. Donc, je dis là, je pensais que, à moins que, mais si tu as gagné des arguments en béton, tu as gagné des preuves tangibles, mon cher, seul si Nevada, Jean Zoulan, suffit, nous pas même besoin plus. C'est comme si c'était Morel, première équipe qui marquait gol là, et bien match tout fini. Est-ce que l'État n'a pas décidé de finir de voter et puis de changer le vote, non? Oh non, pas comme ça. Pas comme ça. Sauf que moi-même on connaît que l'État lui-même là depuis fini voter le vote net et l'État capable de changer
et convictionné. Et parce que pas oublier que pas gagné état qui tout à fait après, parce que comme je dis bientôt après, nous gagné des états comme Alabama qui foncièrement rouge, Caroline du Sud, Texas, Mississippi, par exemple, on est à ta côté ici Al Gore qui était vice-président, si je ne me pas trompé, c'était état ça, oui, Tennessee. Al Gore qui était vice-président Clinton, il était perdu comme démocrate. La Kylie, attendez, oui, la Kylie, il est perdu comme démocrate parce que état ça, son état qui foncièrement républicain. Tant qu'on a Florida, nous a Utah, Indiana, Kentucky, et pour ne citer que ces états-là, ok, ouais, eux-mêmes, hein, historiquement, ils sont rouges. Mais il y a des États, nous capables de dire que swing state, État qui tantôt démocrate, tantôt républicain, ou bien doit ouais, non, l'autre élection, ou est tendance à les changer. OK? En fonction de performance ou bien de manque de performance, et mon yoté voté, ou bien doit changer dans les plus prochaines élections. Ou bien doit dire, bon, Massachusetts-là, nous connaissons un state qui est plus démocrate, avec 11 grands électeurs. Et les deux consacrés, bien, bon, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a passé là. Pour qui ça me dit ça, Pabli, qu'en réalité, dans l'élection aux États-Unis, et on connaît que officiellement, le collège électoral là doit approuver le vote là, et je crois qu'il y a un mois pour ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est là ça, ça me dit, ça qui arrive que, et bon, bon, j'en vote là d'aller, et puis ils décident de virer. Ah non, et attendez, ça veut dire que, Pabli, et que, une fois que vous prononcez, en résultat, yo, je crois que délai de contestation yo épuisé, ou bien contestation yo yo pas abouti à rien, Valérie Numa. Donc, et le 20 janvier 2021, ouais, bah ouais, en termes pour 4 heures. Donc, et moi-même, forme de ça, et gon théorie de winner take all, de winner take all, le gagnant ou bien le vainqueur prend tout. C'est avec qui depuis prend vote populaire là non étale tout grand électeur tout sauf on croit que Sénat mène avec Nebraska gagne une différence côté que et même sous prend et vote populaire là ou pas obligé et prend tout grand électeur mais et Valérie ça projette fait dans histoire et élection américaine et pas quoi qu'une provision pour ça tout pour qui fait qui barre pardon qui ça qui ça que vous faites là non pour que résultat élection yo fin rend public et pas de contestation ou bien oh, ça arrive déjà que vous changez votre ça arrive déjà que vous changez et façon que vous avez voté et déjà ouais et c'est pas sans raison fait que vote populaire là tout comment au niveau de vote populaire là tout non on a pas au niveau de grand électeur bon de toute façon ça reste à bon pas et moins quoi sur parole. Ok, uh-huh. Moi, je suis sous parole. Donc, bon, de toute façon, mais sauf que, pas qu'on est, et jusqu'à preuve du contraire, moi-même, moi, j'étais quoi que, eh bien, et résultat, ça y est, il a respecté pour que le 20 janvier 2021, soit que Trump est reconduit à la Maison Blanche, ou bien Joe Biden les prend investisseur comme 46e président des États-Unis. Mm-hmm. Ok. Kounya, Ramjo, qui a figure qui a présenté côté que on dit que ouais, on c'est hypothèse. Ou bien deux candidats qui viennent à égalité. Est-ce que pas une possibilité pour deux candidats venir à égalité? Ah oui, il y a possibilité pour deux candidats. Bien que ça pas fait souvent. Non, nous parlons souvent non. Depuis possible, nous qu'a réfléchi sur lui. Oui, ça dit que si le possible que... arriver Kounya ça qu'a privé si tous les deux arriver et égalité. Bon, si tout dérivé à égalité, donc on croit que ces chambres de représentants qui ont intervenu là, lui-même pour capable d'essayer élu et président, ok? C'est lui-même qui a intervenu pour capable élu président et on croit que on a fait de 20 votes et pour capable recueillir. Donc on ne sait pas exactement, mais dans le moment et procédure qui est tracée par et le 12e amendement à la Constitution américaine, non, les voulait que ces chambres des représentants, les mêmes qui intervenaient pour capable de partager deux candidats qui arrivaient à égalité.
Ok, vous avez dit que pour faire changer tendance, changer votre là, ça arrivait déjà, et même deux fois. Et, mais vous considérez qu'on va être anormal parce qu'il n'y a pas de fait. Bon, c'est comme ça, vous well, et bah, comme ça. Ok. Maintenant, n'a pas vous fermer et interviewer. Et si je dis, par exemple, Biden, président, ou bien Trump, président, haïtien qu'on y a, parce que je me sens que j'ai conseillé de groupe haïtien qui était mobilisé, fin fou, pour Biden, de monter équipe, yo, etc. Qui ça va passer par rapport à Haïti? Est-ce que moun, on dit haïtien, là, c'est une question haïtien, moun qui est aux États-Unis, yo croit effectivement, yo nous l'autre, gomba qui a changé pour Haïti? Bon. Pabli, et que d'entrée de jeu, ou pas capable, et politique mondiale, là, son pas politique américaine, non. Et du point de vue géopolitique, je crois que l'élection américaine, il y a bien des retombées dans un sens ou bien dans l'autre politique mondiale, là, dont politique haïtienne, non. Pabli, et que c'est Trump qui est réélu, que c'est Biden qui est élu, c'est politique américaine avant tout, ok? Quelle que soit l'intervention yo pral faire dans pays étranger, y a gardé est-ce que intervention ça les respecter les principes relatifs à la politique américaine. Mais non pas écarté possibilité tout Valérie Neumann lorsque c'est elle en particulier au pouvoir, les gain plus ces tendances supporter non sans ou bien non l'autre politique pays étranger qui semblait avec là qui plus ou moins semblait avec on prend pour exemple Baoula et plus près de nous même là pas oublier que bon t'es remonté à fin année 80 ou à fin année 70 par exemple rapidement pas oublier que et lorsque Jimmy Carter et voyait plusieurs commissions experts en question de monde à l'enquêter sous question cas de emprisonnement et politique, eh bien, on connaît que le démocrate là, lui-même, non, il pas vraiment mêlé à Jean de Bagay ça. Eh bien, t'as pas le bon petit de l'eau qui tombait dans du Jean-Claude Duvalier, auquel tu as un petit Jean plus ou moins assoupli positionné. Mais automatiquement, le 4 novembre 80, c'est Ronald Reagan qui t'a pas déclaré vainqueur. Où est que, eh bien, républicain, les retourner au pouvoir, Jean-Claude Tapral est gagné en confiance. Tapral est prendre du poil de la bête. Il était continué avec arrestation d'opposants politiques et jusqu'à ce que tu aies voté par un soutien d'Éric en encore. L'autre exemple qui peut nous là, pas oublier que Aristide, dans les plans coup d'État, pardon? Oui, hein, là. Aristide prend coup d'État. Sous républicain. Mais c'est sous démocrate, oui, et retour à l'ordre constitutionnel là, t'es fait. Je dis à la, on prend, par exemple, je dis à Jovenel Moïse, supporté par Donald Trump. Mais support ça, il réside notamment dans le fait que Donald Trump t'est servi de vote haïtien contre Venezuela. Et au niveau de OEA. Donc, ça veut dire que, wap souvent, wap, tout en respectant la politique américaine, wap toujours, wap, tendance là, plus penché bon côté politique pays qui semblait okay. Avec président qui okay. En fonction. Ok, on a pour faire une interview, net, et Woodley, par contre, est-ce qu'on croit que Andy Biden président, est-ce que Trump va aller dans l'investiture? Et son équipe très inélégant. Son équipe très inélégant, je pense que sinon qui était fait preuve d'élégance, l'État doit aller. Mais son nègre pas grand rien fait qu'à paraître étrange pour moi-même personnellement. Son nègre d'ailleurs, je vais dire que déclaration monsieur était fait. Monsieur dit comme ça que Joe Biden pas de gens intelligents. Joe Biden pas de gens yon pour sénateur. Toute performance li, c'était dans kiss race. Barack Obama, moun ki parle anglais capable comprendre. Toute performance c'était dans niché, c'était dans beau derrière Barack Obama.
Donc, on croit que l'État a annoncé la couleur. Donc, moi, c'est quoi l'État doit aller et élégance oblige. Mais nek ça bon garantie me pas rester quoi position commencer à prendre là yo m'rété quoi il possible que ne pas participer dans l'investissement Joe Biden en cas de victoire de ce dernier. Monsieur Feynman et monsieur Widler par contre un plaisir pour me recevoir, merci pour disponibilité, à bientôt. Eh bien un plaisir pour me capable disponible pour tout, à bientôt Valérie, merci.